que la clinique puisse s'implanter ici. Il y avait d'autres sites qui étaient pressentis, comme le site en particulier d'Yverdon. Et puis finalement, la Souva a décidé que ici à Sion, les meilleures conditions étaient réunies pour l'implantation et le développement de cette clinique. Du reste, actuellement, nous étendons la clinique puisque nous construisons un nouveau bâtiment et nous disposons des terrains nécessaires à pouvoir développer cette clinique, chose très importante. Donc le Valais a fait, et la ville de Sion en particulier, tout le nécessaire pour que la clinique Souva puisse s'implanter ici dans très bonnes conditions. Là, vous ne mettez pas, vous mettez rien dessous. Non, non, vous pas que ça va comme ça. Non. Oui. Event. Wow, wow, wow. Pas bon, ni rien, tiens. Regarde en sourire, comme disait l'autre. Ah ben, je suis en train de ramer, c'est le cas de dire. Je fais de l'aviron, tu vois, pour parfaire un petit peu les muscles ici. Parce que quand tu marches avec les béquilles, ben, tu es obligé d'avoir une certaine force pour pouvoir tenir pendant un certain temps, quoi. Et avant là, la prothèse. Après, avec la prothèse, ce sera différent. Chaque jour, c'est une demi-heure d'entraînement sur les différents engins, et puis avec des poids de départ. Et puis une fois que tu sens bien avec ces poids de départ, tu peux augmenter progressivement la charge de façon à obtenir plus de puissance musculaire. Pas pour faire du bodybuilding, mais pour faire pour toi-même, quoi. C'est vachement important. Enfin, c'est très important, quoi. Ensuite, voilà, ces mouvements qui sont en avant-arrière, c'était bien là. Non, c'est super, vraiment, on sent sécurité, on fait les mouvements qui sont juste comment il faut faire. Et puis voilà, donc maintenant c'est à nous d'y mettre d'une autre, quoi. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler et pour essayer de sortir le plus rapidement possible. Des cas, comme on dit, assez lourds, des gros accidents, des gens qui arrivent un peu cassés. Et puis, ben, on essaye de les remettre sur pied. Et ce que je trouve génial, c'est justement de voir des gens qui arrivent, qui sont autant moralement que physiquement assez diminués. Et ben, grâce à eux d'abord, et puis ben, nous et tous les corps de métier ici, ben, ils ressortent mieux. Et quand quelqu'un est en chaise puis qui marche, par exemple, je trouve que c'est génial, c'est super gratifiant et c'est beau à voir. Ouais. On est, en faisant ça, c'est empathique aussi envers nos patients. Et puis, quand on les voit contents, heureux de justement se mettre debout, de voir les progrès qu'ils font, d'être plus autonomes, et ben, ça nous rend bien aussi. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Et puis, bah, j'ai trouvé l'orthopédie. Alors je suis venue faire un stage de 3 jours, j'ai été aussi dans d'autres entreprises pour mieux savoir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Et puis voilà. Et puis le plâtre, on le garde. Dès qu'on a un doute, dès qu'on veut regarder, reprendre une mesure ou voir une vue d'ensemble, on va venir regarder là-dessus. Ok, c'est un peu... ça va? Pas trop serré? Così troppo, eh. Troppo stretta? Sì? Così, sì. Così va bene, va meglio? Così va bene, sì. Ok.
d'arriver à faire en sorte que les gens remarchent le mieux possible, ça c'est cool, quoi. Je pense qu'on fait partie des gentils, entre guillemets, de la clinique. Non, on n'est pas plus gentils que les autres, mais j'entends les physios, ils demandent un effort aux patients. Que nous, en fait, on leur donne le maximum de facilité. C'est jamais facile, mais enfin, on fait en sorte que ça soit le plus facile possible, quoi. Et puis on leur demande de marcher et tout, mais les physios, ils leur demandent de bosser et puis de transpirer et tout, puis nous, on leur demande pas ça, quoi. Alors quelque part, on est gentils. Bon, je pense que les soignants, avant tout, sont orientés l'autre, sont orientés patient. C'est notre vocation, je veux dire. C'est la rencontre avant tout avec des individus dont la santé est atteinte. Et puis ensuite, c'est la mise à la disposition de cet individu toute une série de compétences humaines, techniques, ici aussi donc professionnelles, de manière vraiment à encadrer de manière constructive quelqu'un, de l'aider à retrouver la motivation, l'envie de vivre, l'envie d'aller de l'avant, malgré l'atteinte qui souvent laisse des séquelles. Incontestablement pour les soignants, nous avons cette chance extraordinaire de vivre cette expérience humaine avec nos patients, avec les patients ici à la clinique, et il y a toujours une forme de retour. Mais il n'est pas toujours là où on l'attend au premier abord, mais une réintégration professionnelle réussie, même si le séjour a été souvent parfois difficile, hein. Il faut voir que quand on a mal, quand c'est difficile de se remettre en route, quand on a peur quelquefois de faire les choses, ça demande beaucoup de patience de la part des soignants, et puis quelquefois il peut y avoir quelques échanges un peu animés, mais ça fait partie de la vie et de la réadaptation. L'objectif, il ne faut jamais le perdre de vue, l'objectif c'est la réintégration dans les meilleures conditions possibles d'un individu qui a été atteint dans sa santé. Nous faisons une partie du travail et puis la personne fait le reste, c'est un complément. Et l'important, bien entendu, c'est que face à des attentes qui peuvent être très très élevées, c'est de bien progressivement expliquer ce qu'on va obtenir, ce qui peut être offert. S'il y a un moyen auxiliaire très technique aussi, de pouvoir bien évaluer avec la personne si c'est trop compliqué, s'il faut choisir quelque chose de plus simple. Parce qu'ensuite, il faut mener sa vie tous les jours le mieux possible. Chaque situation s'analyse soigneusement avec la personne, avec son entourage, et en fait c'est un choix qu'on fait ensemble. Ça c'est tout le propre de la réadaptation, de manière qu'entre les coûts que cela va occasionner, les services que cela va rendre à la personne et ses attentes, il y ait un bon équilibre qui soit trouvé. La clinique romande ici, la clinique Souva à Sandy Lee pour la réadaptation des patients qui sont souvent gravement atteints après des accidents et des patients qui vont rester un certain temps, qui ont besoin pour pouvoir progresser de toutes les compétences humaines des soignants mais aussi de bonnes compétences d'ordre technologique. Donc ces patients représentent pour les PFL des sujets très intéressants. En termes de recherche, parce que ce sont des personnes qui vont accepter de participer à des projets pour faire progresser le domaine de la technologie, dans le domaine de l'assistance en particulier. Et par conséquent, il est tout à fait logique que cela se développe ici. Et puis d'un autre côté, la clinique collabore avec les PFL sur quelques projets depuis des années déjà, et ça va être simplement une intensification.